que tu es. Yeah. Tu feras un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Est présent parmi nous. Qu'est-ce qu'on fait? Je oh, j'aime Dieu. Chante. Je t'adore. Avec lui. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que, tu es. Tu tiens tes promesses, tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es, les bras à la carte qui sont. Je viens ce soir dire c'est ce que tu es. Je viens ce soir dire je n'ai jamais entendu que tu es un autre Dieu. Tu n'as pas changé, tu restes le même. Celui qui a guéri Bartimée, celui qui passait dans la chute, celui qui passait. Tu n'as pas changé.
changer. Alors je viens à celui qui est immuable, à celui qui ne change pas, à celui qui ne varie pas. Tu as fait hier, tu es capable de le faire. Je ne viens pas me plaindre, je ne viens pas pour te dire pourquoi tu n'as pas été là. Mais je viens appeler le Dieu qui répond. Je viens appeler, je viens célébrer le Dieu qui m'entend, celui qui est mon Père. C'est ce que tu es. Oh, celui qui est mon Père. Je veux appeler à Papa. À Papa. Je veux crier à mon Père. C'est ce que tu es. Ah, je veux crier à mon Père. Les calèbres, la quinta, cacha, la baba. Viens nous embraser. Yes, c'est bon. Saint-Esprit, viens nous embraser, nous embraser. Nous embraser, nous embraser. Saint-Esprit, viens nous embraser, nous embraser. Nous embraser, nous embraser. Nous embrasser. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la célébration, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous investis de ta présence, de ta force, toi qui es en train de nous charger. Ne manque pas de lui dire, Seigneur, charge-moi ce soir. Ne manque pas de lui dire ce pourquoi tu es là ce soir. Ce que tu veux lui demander, présente-le-lui sans gêne. Présente-le-lui avec précision. Présente-le-lui. Oui, présente-le-lui. Ne te gêne pas, pas lui. C'est lui qui a dit, demandez, vous recevrez. Il n'a pas fait de restrictions sur les proportions que tu sois à même de demander. Demande, demande ce que tu veux. Vas-y, dis-lui, Seigneur, je suis là pour avoir un travail. Je suis là pour avoir un mariage. Je suis là pour avoir un enfant. Je suis là pour que tu me visites. Oh. Seigneur est notre Dieu. Que barabasha. Oh, le Seigneur. Écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël. Shut up.
Shaddai, El 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 Shaddai, Alaia, Alaia. Quelle présence. Donnons-lui une acclamation digne. Jésus. Acclamez Jésus très fort. Acclamez-le puissamment. Jésus. Honorez-le pour la victoire qu'il vous donne ce soir. Jésus. Jésus, Jésus. Acclame mon Dieu plus fort que ça. Alléluia. Assurons-nous de la présence de Dieu. Wow. Vous savez, l'atmosphère de prière ici est telle que... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Alors tout à l'heure, le berger disait, quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut faire le relais, il faut faire le partage de ce direct. Il faut partager dans les groupes sur WhatsApp, sur Messenger. Ce soir, nous allons vivre un moment de déblocage hors norme. Je peux dire à quelqu'un ce soir, s'ils n'ont pas décidé de faire la paix avec toi jusqu'à cette heure-ci, c'est à leur risque et péril. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que je peux m'entendre un peu plus que ça, Roland? Si la dame là n'a pas décidé de laisser tomber ton mari jusqu'à cette heure-ci, c'est son choix qu'elle a fait. J'imagine que toi aussi, tu as laissé tomber le mari d'autrui. Je suis rentré à un côté. Amen, amen. Nous sommes à une heure de victoire. Si la maladie n'a pas eu l'humilité de t'abandonner jusqu'à cette heure-ci, c'est son problème. De gré ou de force, elle sera expulsée. C'est pas les amen, c'est pas le genre de amen qui pousse. Hein, caméraman, donne-moi un point amen. Je vois la victoire frapper à ta porte à cette heure-ci. Je vois les infirmités sorties de ta maison, de ta famille. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, je suis en train de... Je sens la chose bouillir en moi. Voilà ce que ma Bible me dit. On apporta une pierre. On l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses crans, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions
Ha. Je veux dire, quelqu'un ne regrette pas de servir Dieu. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Dis avec moi, aucune blessure. Dans d'autres versions, aucune égratignure. Dis aucune égratignure. Why? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le verset 24. J'ai souvent mélangé dans mes prédications, j'ai attribué ce verset-là comme verset 24. Donc si un jour je me suis trompé, rectifié. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Dis à tes ennemis, si même s'ils n'ont pas pitié pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à avoir pitié pour leurs enfants et leurs femmes. Dis à quelqu'un, tes ennemis n'ont qu'à avoir pitié pour eux et leurs femmes. Amen, amen. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la force qu'ils ont creusée, ou du moins le piège, l'embuscade tendue à Daniel, c'est dans cette embuscade que eux-mêmes se sont retrouvés. C'est pour ça que cet après-midi, j'ai dit, dites aux gens là, ils n'ont qu'à faire la paix avec vous avant 19h30. Amen ou amen pas. Parce que non seulement ils ont tendu un piège à Daniel, Daniel était jeté dans la fosse au lion. Mais la fosse au lion n'a pas tué Daniel. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui tuent des gens. Il y a des endroits où quand on envoie des personnes, ces personnes, il vaut, elles restent là-bas. Mais quand tu as la marque de Dieu sur toi, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, ces mêmes endroits, tu entres là-bas. Et alors tu récites le psaume 23 qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je vois Dieu secourir quelqu'un dans la fosse au lion ce soir. Ton amen n'est pas un bon amen. Donne-moi un amen à la vitesse du miracle que tu vas recevoir. Donne-moi un amen à la vitesse de l'élévation que tu vas recevoir. Donne-moi un amen à la vitesse de l'élévation que tu es en train de recevoir. Ces hommes sont partis. Je vais revenir à l'histoire parce qu'on a commencé à aller trop vite. Un jour, voilà des gens qui guettent Daniel. Ils essaient tout, ils n'arrivent pas à le piéger, ils n'arrivent pas à lui faire du mal. Alors ils ont réfléchi. Ils ont dit, mais c'est où on peut l'avoir? Et puis quelqu'un, Dieu leur dit, Daniel, son affaire de prière. Donc les gens sont allés jusqu'à attaquer sa vie de prière. On va faire dire au roi un truc bizarre là, tu sais. Sur telle période, on ne doit plus adorer notre Dieu. D'ailleurs, même c'est toi qui es le Dieu, c'est toi ce qu'on doit adorer. Le roi dit, bon, ouais, c'est pas mal. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'avait pas pesé les contours. Alors le roi a signé. Et les membres de son gouvernement ont apposé leur signature. Comme pour dire que personne ne pourra se dérober à cela. Ça s'appliquait à tout le monde. Et la Bible dit, quand Daniel a pris le décret du roi, Daniel chapitre 6, le verset 10, il entra dans sa chambre comme il en avait l'habitude. Et trois fois par jour, il se mettait à prier. Que rien ne tue ta vie de prière.
Si un homme te dit arrête de prier, sinon je ne te marie pas, choisis la prière. Si un homme te dit arrête de prier, sinon je vais te licencier, choisis la prière. Daniel a fait le choix de la prière ce jour-là. Et alors, on va dire au roi, Daniel est en train de prier. Roi, rappelle-toi, tu as signé, les membres de ton gouvernement ont signé. Et celui qui est en train de prier devait être jeté dans la fosse aux lions. Les lions étaient des lions affamés. Donc on te jette là-bas, ce n'est pas pour que tu ailles te promener. C'est pour que non seulement tu meurs, mais que tu n'aies même pas droit à une messe de requiem. Parce qu'on ne va même pas te voir. Les lions vont te broyer, les œufs vont te broyer, la chair, ils vont te détruire entièrement, laper ton sang. Donc, ça a été calé comme ça. Et puis, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Oh, frères et sœurs, la Bible dit ce jour-là, le roi a dormi à jeun, lui-même roi. Parce qu'il n'était pas d'accord. Mais c'était une décision qui s'imposait à lui, un peu comme dans le cas de Hérode et Hérodiade, concernant Jean-Baptiste. Le roi a dormi, il n'a même pas dormi. Il est resté à jeun, il n'a touché à aucune femme. Frères et sœurs, la première chose que je veux vous faire remarquer, dans un royaume, la plus haute connaissance qu'une personne puisse avoir, c'est le roi. Si vous êtes un royaume, qu'on dit vous êtes ami au roi, parce que si le roi peut ne pas manger à cause de vous, si le roi peut ne pas dormir à cause de vous, si le roi peut rester chaste une nuit à cause de vous, sachez que c'est parce que le roi vous porte dans son cœur. Concernant Daniel, le roi le portait dans son cœur. Quand on va les différents rois sous lesquels Daniel a servi, Nebuchadnezzar et les autres, vous allez voir que ces rois-là présentent Daniel comme quelqu'un qui a l'esprit des dieux. On va à Daniel chapitre 3, on dit il n'y a pas un homme comme Daniel. Quand vous allez dans Daniel chapitre 1, le verset 8, vous allez voir que c'était un homme. Le choix de Daniel était un choix très 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 sélectif. Des jeunes gens de famille royale, propre, sans défaut corporel, à qui l'on enseignerait la langue des Chaldéens. Daniel était exceptionnel. Il avait été capable de révéler un rêve. Habituellement, les gens rêvent et puis on donne l'interprétation. Mais dans le cas de Daniel, il a été capable de révéler le rêve et en donner l'explication. D'ailleurs, ce jour-là, quand Dieu révéla Daniel, tous ceux qui avaient ces dons de révélation ont été comme tétanisés. Il y a des moments quand Dieu veut vous élever. Tous ceux qui sont dans votre domaine de compétence atteignent ce qu'on appelle un seuil d'incompétence. Ils arrivent à un moment où ils sont limités. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Dieu va rendre des gens incompétents pour que tes compétences soient sûres. Ou alors, ceux qui sont en lice avec toi vont arriver à un niveau où ils ne peuvent pas aller au-delà. Et c'est là que Dieu va te révéler. Souvenez-vous de toutes ces personnes, les médiums, les marabouts, les féticheurs, les devins qui étaient autour de Pharaon. Eux tous n'ont pas pu interpréter le rêve de Pharaon. C'est ce qui a valu à Joseph d'être promu. Pareil pour Daniel. Personne n'a eu la révélation du songe de Daniel, ou du moins du roi. Seul Daniel a eu la révélation et a même interprété. Et quand le roi parle de lui, il dit il a l'esprit des dieux. Ce n'est pas un homme normal. Voilà le roi qui se retrouve obligé de jeter un tel personnage dans la fosse aux lions. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Faites tout, mais ne perdez jamais votre amitié avec Dieu. Jamais. David criait, ne me retire pas ton Esprit Saint. David soupirait pour ne pas perdre l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce que dans un royaume, si tu connais le roi, tu as quel problème? Vous connaissez l'expression à l'ivoirienne, tu sais qui je suis. Quand il y a une petite histoire, on sort le téléphone, je vais appeler. Tu sais que ton père peut être commissaire, un jour on te prend, tu n'as pas tes pièces. Tu appelles ton père, son numéro ne passe pas et puis tu t'en vas dormir 2 semaines à la maca.
Daniel connaissait le roi, mais ça n'a pas empêché que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Ce n'est pas le fait qu'il connaisse le roi qui lui a valu son salut. La Bible dit, on fit sortir Daniel de la fosse aux lions. On ne trouva sur lui aucune égratignure. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il y a des hommes puissants sur la terre, mais il y a un seul Dieu tout puissant. Arrangez-vous à être connecté au Dieu tout puissant. Les relations, les connaissances, c'est bon. Quand tu peux passer un coup de fil qui peut se dépanner, il ne faut pas t'empêcher de le faire. Mais compte sur Dieu. Un jour, Mardoché a regardé Esther pour lui dire, Esther, si tu n'interviens pas, Dieu va nous défendre. Mais toi, Esther, tu ne vas pas t'en sortir. Il parlait à la reine. Le fait que Daniel connaisse le roi, le fait que Daniel soit approuvé par le roi, n'a pas sauvé Daniel. Ce qui a sauvé Daniel, c'est qu'il a eu confiance en Dieu. Ne jetez jamais Dieu. Ne jetez jamais votre spiritualité parce que quelqu'un vous fait un chantage. Ne jetez pas votre appel parce que quelqu'un vous propose quelque chose qui semble être mieux. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et puis quelque chose va se passer. Le roi arrive tôt le matin. Il cherche Daniel d'une voix tremblante. Il appelle Daniel. Quand il appelle Daniel, il demande à Daniel si Dieu a pu le sauver. J'aime l'intonation de Daniel. Oh, vive le roi. Daniel est allé sur un territoire dangereux. Il allait dans les hautes tensions de la CIE. En temps normal, il doit être électrocuté. Au lieu d'être électrocuté, au lieu qu'on le retrouve séché comme un oiseau sur un fil d'électricité, voilà un Daniel qui est devenu poète. J'ai compris que lui, il allait dans la fosse aux lions, non pas pour mourir, mais il partait faire un tour aux eaux. En fait, la fosse aux lions est un endroit qui tue les gens. Mais Daniel, parce qu'il avait confiance en son Dieu, lui, il est entré là-bas, il est ressorti comme étant un homme, comme un poète. Il y a des endroits qui tuent des gens. Il y a des endroits qui ôtent la vie. Il y a des situations qui détruisent l'histoire des personnes. Mais quand des personnes comme toi et moi, nous arrivons sur ce territoire dit interdit, nous arrivons sur ce territoire voué et dédié à la mort, quand nous arrivons à ces espaces, à cause de ce que nous avons un Dieu, à cause de ce que nous servons un Dieu grand, nous entrons là-bas. Mais nous ne sortons pas avec la mort, mais nous sortons avec la promotion. Parce que tenez-vous bien, Daniel est entré là-bas, il est ressorti premier ministre. Ce qui tue les autres, ce qui avale les autres, quand toi ça va être connecté à toi, oh tu n'es pas en train de suivre. Quand toi ça va être connecté à toi, ça produira la promotion dans ton histoire. Le poteau de la croix était destiné à détruire la vie des hommes. Mais un certain Jésus-Christ de Nazareth est allé à ce poteau de la croix. Quand il est arrivé là-bas, la croix qui était objet de honte est devenue désormais objet de gloire. Je vois l'humiliation de la vie d'une personne être reconvertie en son témoignage. Je vois ce pourquoi on se moquait de toi être le sujet de ton témoignage de la gloire. Je pensais que j'étais en train d'aligner une parole pour toi. Je pensais que tu étais en train de suivre ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qui tuent les personnes. Mais quand toi, ça arrivera à ton niveau, ça produira la promotion et la vie. Reçois l'excellence pendant que je parle. Reçois la gloire pendant que je parle. Reçois l'élévation pendant que je parle. Reçois la percée pendant que je relâche cette parole. Reçois au nom de Jésus. Oh! Vous savez quoi? Les gens qui ont comploté contre Daniel, quand Daniel est sorti, eux, ils sont allés prendre sa place. En fait, je suis ce soir venu introduire un revirement de situation. Il y a des gens qui vont prendre la place qu'ils ont prévue pour toi, et toi, tu vas aller prendre la place dans laquelle ils étaient.
Ils tomberont eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils tomberont eux-mêmes dans l'embuscade qu'ils ont fabriquée pour toi. Je les vois aller contre ta maison et se tromper de maison et repartir contre eux-mêmes leur propre maison. Ce qu'ils ont programmé pour détruire ta vie, ce qu'ils ont programmé pour nuire à ton histoire, je suis en train de voir quelqu'un sortir vivant de là et je suis en train de le voir aller prendre ta place. Si tu m'as dit amen, reçois maintenant. Daniel est entré dans la fosse au lion. Il est ressorti avec la promotion. Au lieu de mourir, la Bible dit que les lions sont restés avec lui toute la journée. Ils ont regardé la catégorie de chair qui était sous leurs yeux. Malgré qu'ils étaient dans le jeûne, les lions ont dit non, on ne va pas rompre le jeûne avec cette catégorie. Cette catégorie n'est pas normale, elle est surnaturelle. Je comprends alors quand Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais sont nés de la volonté de l'esprit. Depuis que j'ai lu ce passage, j'ai compris une chose. Toi et moi, on n'est pas nés de la volonté de la chair. On est nés de la volonté de l'esprit. C'est pourquoi il y a des choses qui humainement sont programmées mais ne s'appliquent pas à nous. Parce que nous ne sommes pas sous la réglementation de la chair, nous sommes sous la réglementation de l'esprit. Ce qui s'applique à l'esprit, c'est ce qui s'applique à toi et à moi. Ce qui s'applique à la chair ne s'applique plus à toi. C'est pourquoi la malédiction de ta famille ne te concerne plus. C'est pourquoi l'humiliation de ta mère ne te concerne plus. Ta mère ne s'est peut-être pas mariée, mais toi, tu te marieras. Ton père n'a peut-être pas construit, mais toi, tu construiras. Tes parents ont tous peut-être une maladie héréditaire, toi tu en guériras. Il est peut-être dans ta famille que personne ne réussit, toi tu réussiras. Parce que tu n'es pas concerné par la malédiction de ta famille. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à tout le monde. Tu n'es pas concerné par la honte de ta famille. Oh, 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 je veux dire à quelqu'un ce soir, la honte de ta famille est sur le point de t'abandonner. La galère de ta maison est sur le point de t'abandonner. Le Dieu de la maison de ton père est sur le point de quitter ton histoire. La pauvreté de ta famille est en train de t'abandonner. Reçois au nom de Jésus. Je comprends alors, quand je lis Luc, que j'aime bien citer, Zacharie a mis au monde un fils. Zacharie était muet parce qu'il a douté. Et le jour de la présentation de l'enfant, on dit, Zacharie, l'enfant s'appelle comment? Il a écrit sur des tablettes, Jean est son nom. Les gens disent, ah Zacharie, même si tu es bobo, au moins tu es intelligent. Élisabeth, promesse de Dieu, viens, toi au moins tu peux nous expliquer. L'enfant là, il s'appelle comment? Elle dit, je dis, Jean est son nom. Et les gens s'étonnaient. Les gens disaient, mais comment Jean est son nom? Il n'y a pas de Jean dans notre famille. Son père s'appelle Zacharie. Donc son enfant doit s'appeler Zacharie. Si j'étais là-bas, j'allais leur demander quoi? Il va prendre l'héritage de stérilité là aussi pour faire enfant vieux. Élisabeth et Zacharie ont compris ça. Ils disent, c'est notre enfant. Fermez-la. Jean est son nom. Les gens disent, mais il n'y a pas de Jean dans notre famille. On dit oui, effectivement. Il est de notre famille, mais il est différent des gens de notre famille. Nous sommes sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. On dit, mais Zacharie, il n'y a pas de Jean dans votre lignée. Il dit oui, c'est lui qui va commencer cette histoire de Jean dans notre lignée. Je suis en train de te dire, il y a des noms qui n'existent pas dans votre lignée. Il y a des titres comme directeur, comme ministre, comme président de telle institution. Ça n'existe pas dans votre famille. Je suis en train de t'annoncer que ça commencera par toi. C'est toi qui commencera ça. Oh, tu n'as pas dit amen, j'étais en train de parler. C'est par toi que ça va commencer. Si tu dis amen, reçois au nom de Jésus.
faut que, dis à quelqu'un, il faut que ça commence par moi. Dis à quelqu'un, c'est par moi que ça commencera. Je suis en train de voir que ta vie marque une rupture. Ta vie marque une rupture dans ta génération. Ta vie est la fin de la saison de l'humiliation et de la bassesse dans ta génération. Mais elle est aussi le début de la bonne saison dans ta génération. Selon que nous sommes cohéritiers avec Christ, alors que Christ est le premier-né des vainqueurs, toi aussi tu es le premier-né des mariés, tu es le premier-né des travailleurs, tu es le premier-né des hommes et des femmes de percée. Je pensais que je parlais à toute l'assemblée. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es le premier à vaincre dans ta génération. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu arriveras là-bas. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu arriveras là-bas. Là où ta grande soeur n'est pas arrivée, toi tu arriveras là-bas. Là où tes têtes ne sont pas arrivées, toi tu arriveras là-bas. Là où ta famille a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où tes parents se sont arrêtés, toi tu ne t'arrêteras pas. Les lions mangeaient les gens normaux. Mais quand ils ont vu Daniel, c'est parce qu'on a l'habitude de manger là aussi. Il est différent. Il ressemble, mais il n'est pas né de la volonté de la chair. Ce qui s'applique à la chair ne s'applique plus à toi. C'est pourquoi un jour j'ai dit à quelqu'un, ce que l'esprit peut faire, tu peux faire. Là où l'esprit peut arriver, tu peux arriver. J'ai dit à quelqu'un, même si ta main ne peut pas arriver pour toucher quelqu'un, à partir d'un endroit, tu peux toucher la personne dans la prière. Ce soir, on va travailler. Ce n'est pas une soirée pour beaucoup parler. C'est une soirée pour activer les choses. Levez-vous, on va bosser. Levez-vous, on va bosser. Le ciel est déjà nerveux ici. Ouvrez la bouche, bénissez Dieu. Célébrez-le. Célébrez-le rapidement. Allez-y, célébrez Dieu. On te rend toute ta gloire, toute l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. En ce soir où tu viens, Seigneur, débloquer toute forme de situation, toute forme de position, Seigneur, que toi-même viens débloquer, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous t'adorons et te célébrons. Nous te rendons toute la gloire, toute l'élévation, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, d'être célébré-le. Élevé en ce lieu, Seigneur, nous te bénissons. Digne d'être élevé, digne de recevoir toute l'adoration en ce soir. Célébrez-le. Dites-le merci. Ceux qui prient en langue, prient en langue ce soir. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Allez-y, montez. C'est votre soirée de visitation. C'est votre soirée de déblocage. Ouvrez les écluses des cieux. Écoutez, vous êtes surnaturel. Un instant. On gardera le même cantique. Yes. Parce que vous êtes né de l'esprit, vous n'imaginez pas ce que vous êtes. Il y a des gens parmi vous qui sont combattus, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes combattus. C'est parce que les gens voient ce qui est sur vous. Ce que vous avez, ce n'est pas Éphélin qui vous le donne. Jésus vous l'a déjà donné. Ce que Dieu a disposé en vous, ce n'est pas ce soir que vous allez l'avoir, vous l'aviez déjà. Quand je prêche beaucoup l'autonomie des chrétiens, pour amener les chrétiens à comprendre qu'ils ne dépendent pas forcément des hommes de Dieu, ce n'est pas encore très compris, mais je continuerai. Parce que c'est ce que j'ai senti dans mon cœur. Le fils de l'éléphant n'a pas besoin de jeûner pour devenir un éléphanteau. Par contre, s'il ne se nourrit pas bien de la parole, il peut rester comme un bœuf. Voilà la différence, c'est tout. Mais dès qu'il est fils d'éléphant, il a déjà les gènes d'un éléphanteau. Tu es déjà vainqueur.
Parce que tu as le même ADN que Jésus-Christ. Yes. Parce que tu es né de la nouvelle naissance. Parce que tu as de la représentation diplomatique de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Tu bénéficies des prérogatives d'un ambassadeur sur cette terre. Tu représentes Jésus. C'est pour ça que Jésus ne permettra pas que tu échoues. Il ne permettra pas, à moins que toi-même tu t'écartes de lui. Il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Écoute-moi bien. Ce que je peux, tu peux ce soir. Ce que Jésus a fait, tu le fais ce soir. Parce que tu as le même ADN que lui. S'il a expulsé des maladies, expulsez-les tout à l'heure. Si à distance, il a dit va, ton serviteur est guéri. Libérez quelqu'un à distance. Même si la personne est en Europe, et même si elle est 90% des témoignages que vous lisez sur ma page, ce sont des témoignages de personnes qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire, qui ne m'ont jamais vu. Tu es ici, tu vas commander à quelqu'un de quitter dans la drogue, dans ce qu'il fait. Au Burkina Faso, une femme a suivi cette recommandation. Son fils qui était dans la drogue, quand elle est rentrée à la maison, l'enfant a couru, il est rentré dans la chambre et dit « Maman, j'arrête la drogue », alors qu'on ne l'a pas sensibilisé. Une de mes filles avait connecté sa copine qui ne marchait pas, paralysée. Pendant que j'étais en train de prêcher, sa copine, elle a dit à sa copine, je te connecte. Suivez bien, le lendemain, sa copine s'est levée. Elle voulait lui rendre le témoignage. Elle a dit à sa copine, toi-même, écris-lui pour lui rendre le témoignage. La distance n'est pas une barrière. Ce n'est pas de fouiller dans le portable des garçons qui va sauver ton foyer. C'est d'allumer ce qui provoque le problème de ton foyer. Il y a des moments où on négocie, on discute. Je prêcherai sur ça très prochainement. Afin que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Ça, je vais prêcher ça. 1 Roi 18. À partir du verset 38 là-bas. Il y a des moments où on discute avec les prophètes Baal et les prophètes d'Astarté. Mais il y a des moments où on va au front. Si on n'a pas fait la paix avec toi jusqu'à cette heure-ci, va au front. Ce soir, c'est une soirée de victoire. Yes. Retire ton mari des méandres d'une sorcière qui l'a envoûté. Yes. Retire ton travail. Il y a des patrons, vous allez remarquer en entreprise, ils sont hystériques, ils crient sur tout le monde. Mais il y a une petite dans l'entreprise, là, ils ne sont pas avec elle, mais il a du mal à parler sur elle. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est parce que spirituellement, il lui a donné des consignes. Toi aussi, quelqu'un ne peut plus crier sur toi après ce soir. Est-ce qu'il y a des prophétisables là? Yeah. Est-ce qu'il y a ici des chamgars? Est-ce qu'il y a des chamgars? On criera plus sur toi. Là où on essaie de te licencier, parle, dis arrêtez-moi ça. Tu vas convoquer des personnes dans la présence de Dieu si tu vas lui intimer des ordres. Là où ton mari est parti et puis depuis quelques jours il ne dort pas à la maison, tu vas envoyer le feu là-bas. Que ça se cadre tellement bien. Dis avec moi, tellement bien. Qu'il revienne là où il est censé être. Je ne blague pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prier avec effet immédiat. Je répète, c'est prier avec effet immédiat. Quelqu'un qui doit signer ton papier. Et puis depuis, ne signe pas. Ce soir, tu vas lui intimer l'ordre de signer. Ton argent qui est bloqué. Et puis depuis on ne débloque pas. Ce soir, tu vas opérer dans le surnaturel pour débloquer. J'ai du mal parfois à prêcher ce thème parce que si tu ne fais pas très attention, tu auras l'impression que c'est de la déviation. Et pourtant, je suis en train de juste parler de la foi. Est-ce que tu es avec moi? S'il y a une maladie dans ton corps, tu la vois, tu dis descends, quitte là-bas. Tu l'expulses. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des femmes qui vont parler ce soir. Arriver à la maison, c'est plus la peine. Chaque fois que tu parles, hein, tu vas régulariser la situation quand ils s'énervent. Non, laisse, il ne faut plus parler. À partir d'ici, parle. Et quand tu arrives à la maison, assois-toi, regarde-le. Tu verras quelqu'un venir te dire, bon, je vais prendre les renseignements demain. Tes parents disent quoi? La liste là, c'est quoi? Je ne blague pas. Yes. Non, il y a des prières, gnafou, on fait puis ça ne marche pas, mais today, ça c'est prière de prière. Prière.
ciel est nerveux. Yes. Le ciel est nerveux ce soir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Pendant que vous allez relâcher, vous pouvez convoquer des personnes ici. Le gars t'a laissé, il ne s'est pas encore remarié, il est en vagabondage. Donne-lui l'ordre ici, dis-lui, je t'attends. Dis-lui, mon ami, je t'attends. On est, c'est pour toi et moi. Amen ou amène pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Yes. Tu vas ordonner à un monsieur célibataire bien. Selon tes critères, tu vas lui dire, je suis dans telle ville. Arrange-toi, connecte-toi à moi. If I be a man of God. Yes. Today. Yes, today. Est-ce que vous êtes là? My God, my God. Écoutez, ce qu'on va faire, je suis en train de mélanger, mais désolé aux frères organisateurs, laissons-nous conduire par l'esprit. Yes. On va faire acte 1 aujourd'hui, on va faire acte 1 vendredi prochain, et puis de là, je continue à la retraite. Hey. Mm-hmm. Mais today, il y a des situations, il y a des histoires en suspens. Je ne veux pas voir quelqu'un pleurer ici. Hein. Ici, on n'est pas à la morgue. On est dans l'assemblée des vainqueurs. Il n'y a pas une seule âme qui a opéré un miracle quelque part. Sinon, les funérailles pétées seraient les endroits où il y a le plus de miracles. Amen. Fuck. Donc ce soir, vous êtes oh Seigneur, pays au Mao, je souffre, arrêtez-moi ça. Ce soir, attaque, dis à quelqu'un, attaque. Parle à ton corps, dis maladie, sors. Sors. Parle à ta situation, dis-le, change. Change. Allez, ouvrez la bouche. Regardez maintenant. Allez-y. T'as caché. Nous appelons changement sous toute forme de situation. Bloquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le déblocage de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, sors de ma vie maintenant. On tient les maladies. Sors de la maladie. Ça c'est le jour de l'ennemi. Sors de ma vie maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruisez le jour de Satan. Je déclare que le sang est brisé. Le chômage est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande le malice maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise. Professeur professionnel maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bombardez. Je prophétise. Ma personne professionnelle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année de déblocage, je prophétise. Le mois ne finira pas. Je rentre dans ma pensée professionnelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'onction du succès est pour ma vie. En cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, échec, va-t'en et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né et je suis comme Christ. Chassez le chômage. Je suis le premier. Chassez le succès. Je suis le premier. Chassez le célibat. Le chef est loin de ma vie. Le chef. Allez-y, déprisez le tout dans Satan. Loin de moi, mais chassez la maladie. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Quel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chassez, chassez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise la bénédiction. S'ouvre le ciel de par ma voix. Allez-y, chassez le jour de Satan. Et je déclare la délivrance. Chassez le jour du démon. Et je déclare la restauration. Et je déclare le pouvoir de Satan. Et je déclare le déblocage. Satan, tu n'as plus de pouvoir. Ton pouvoir est terrassé. Où est ton pouvoir? Détruisez. Au nom de Jésus. Détruisez. Il est détruit. Il est dispersé en quatre points cardinaux. Détruisez. Il est réduit en cendres. Oh, bon, bon, bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de malédiction. Ma carabata. Au nom de Jésus. Toute forme de blocage. Quitte tout devant de la semaine. Toute barrière. Cède ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La mort est chassée. La mort est chassée. Je brûle et tout ce qui a arrêté le ciel s'ouvre ici. Fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le baba baye kere bosoro kataka. Alléluia. Amen. Vous avez chassé. On va activer les résultats maintenant. Tu
vas parler à quelqu'un ici qui est têtu, quelqu'un qui est bizarre. Tu vas prier sur le cœur de quelqu'un qui a besoin de guérison intérieure ici. Tu vas prier sur quelqu'un qui n'est pas là. Tu vas déclarer qu'il guérisse. Tu vas intimer l'ordre à une personne de quitter la drogue. Tu vas intimer l'ordre, comme les différents exemples que j'ai donnés là. Tu vas appeler la paix dans ton foyer. Une de mes filles m'a dit, papa, tes prières marchent. Elle m'a dit, papa, ton Dieu est vivant. Yes. Je vous ai dit, si le vôtre il n'agit pas, et c'est le mien, il continue d'agir encore. Yes. Elle dit, papa, je l'ai vu pleurer, se coucher sur mes pieds, pleurer comme un enfant, après une prière. Tu vas ordonner. Tu vas convoquer les personnes dans la présence de Dieu, tu vas leur parler. Tu vas parler même aux ambassades, tu vas parler. Ceux qui sont en France, dans les autres pays, parler à la préfecture. Posséder les pays, même si vous avez des photos, priez dessus, ce n'est pas fétiche. Si vous avez des parties malades, commandez. Si vous avez des résultats d'examen, des passeports, des demandes d'emploi, toutes ces choses, activez maintenant. Déclarez. Je vous en prie. Le miracle ne réside pas dans la qualité du cri. Ça réside dans la conviction. Non, Jésus. Laissez vos histoires de j'ai péché hier. Je ne suis pas encore fort. Vous êtes tous forts ce soir. Nous sommes dans une atmosphère. Nous sommes dans une atmosphère saturée de l'onction déjà. Yes. Donc que chacun opère maintenant. Allez-y, opérez maintenant dans le spirituel. Allez-y, recevez, relâchez votre miracle. Relâchez votre exercice. Laissez plus de Seigneur, ouvre les écluses. Reçois la transformation. Fais qu'il pleure. Fais qu'il pleure. Reçois maintenant. Fais qu'il pleure. Fais qu'il pleure. Ouvre, ouvre, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleure. Fais qu'il pleure. Reçois l'exorcement et le miracle. Fais qu'il pleure. Si tu n'as pas fini de prophétiser, si tu ne te sens pas encore guéri, si tu n'as pas l'impression que le miracle apporté demain continue, continue. Parle à ton conjoint, même si tu es ici. Parle à quelqu'un qui est en Europe. Prie sur quelqu'un qui est couché dans l'hôpital. Prie sur quelqu'un qui est hors du pays. Relâche. Terminale de maladie. Déclare qu'il guérisse. Relâche. Tes anges relâchent, nous voulons voir ta gloire, relâche, relâche, ton miracle, tes miracles, relâche, relâche, tes prodiges, relâche, relâche, tes anges relâchent, nous voulons voir ta gloire, oh relâche, ton miracle, relâche, 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 tes prodiges, relâche. Relâche tes anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche, relâche. Relâche, relâche. Tes prodiges, relâche. Relâche ce soir tes anges, Seigneur. Tes anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Allez-y, priez, 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 priez ce soir. Ton miracle. Relâche ce soir, des prodiges, oh mon Père. Relâche en cette heure, des anges, des anges. Relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche.
ton miracle, tes prodiges, relâche tes prodiges, relâche tes anges, tes anges, tes anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Les aveugles voient. Au nom de Jésus. Attendez-vous à quelque chose maintenant. Esprit de maladie, écoute-moi bien. Va-t'en. Quel que soit ton nom, sors. Même ceux que vous êtes en train de connecter, même ceux qui suivent en ligne, pendant que vous êtes en train de prier, que les maladies de sang sortent. Que les maladies des yeux sortent. Que les maladies du dos sortent. Que les maladies du cœur sortent. Que les maladies des poumons sortent. Que tout ce qui est cancer reçoive des boules de feu, soit broyé. Il guérit. Il guérit. Seigneur, regarde tous les malades qui nous ont été recommandés, tous ceux qui sont là. Au nom de Jésus. Esprit de maladie, descend, descend, sors. Vois la maladie tomber, vois-la descendre. Oui, fais-toi une image mentale de la maladie qui est en train de tomber. Vois-la descendre, elle descend. Elle est en train de te quitter, les fibromes, tu ne passeras pas par l'intervention. Les fibromes descendent, les kystes descendent. Les aveux, la dystrophie ovarienne est guérie. Les paralyses, les tumeurs sont broyées. Les stériles, les puissances sexuelles sont guéries. Les sourds, la zoospermie est guérie, la sténospermie est guérie. Toute forme d'infertilité est détruite maintenant. Guérissez au nom de Jésus. Il guérit. Jouez. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Les maladies sont en train de sortir. Les stériles enfants. Il y a des miracles authentiques. Les sourds entendent. Des miracles authentiques. Par sa puissance. Par sa puissance.
stériles enfants, les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Levez les mains toujours. Que toutes les situations bloquées de vos vies soient débloquées au nom de Jésus. Que le mariage soit débloqué, les dots soient débloqués. Que le mariage civil soit débloqué. Que tes finances soient débloquées. Que ton visa soit débloqué. Que ton titre de séjour soit débloqué. Que ta naturalisation soit débloquée. Au nom de Jésus. Que toutes les situations, le travail, l'embauche, les CDI, la promotion, l'augmentation salariale soient débloquées maintenant. Recevez ça. Je peux vous annoncer que le ciel est déjà ouvert. Je peux voir le ministère des anges auprès de vous. Je vois les anges. Je vois un mouvement angélique. J'en vois qui monte, j'en vois qui descend. Je peux voir des sujets qui montent, je vois des réponses qui descendent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les situations que je n'ai pas nommées, au nom de Jésus, maintenant. Se répare, se règle, se répare, se règle. Je t'envoie vers vous l'exorcement pour le mariage, l'exorcement pour l'enfantement, l'exorcement pour la fécondité à tous les niveaux, pour la promotion, pour la protection, pour la guérison des corps malades. Que toutes les situations qui nécessitent une intervention divine, maintenant reçoivent. Mon Dieu est ici. Oui. Jacob a pu dire, l'Éternel est à cet endroit. L'Éternel est à cet endroit. Massakata papa. Recevez l'onction maintenant. Il agit. Recevez la grâce de Dieu. Bénissez-le. Célébrez-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons pour tant de grâce, Seigneur. Tant de grâce, de déblocage, Seigneur, d'ouverture de porte, Seigneur, de délivrance, Seigneur. Là où tu as, Seigneur, enlevé la force à cet enfant qui s'opposait, Seigneur, à toute forme de choses. Nous te bénissons et te rendons toute ta gloire, toute l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, louange, puissance, adoration et célébration à ton nom. Wow. Acclamons Jésus pour tout ce qui est en train de se faire. Acclamons-le. Incroyable. Wow. Écoutez. Wow. Écoutez. J'ai eu comme une vision tout à l'heure de quelqu'un dans une prison. Et je ne sais pas si tu es ici, que tu es en train de prier pour la personne, ou si la personne est en train de suivre en ligne. Mais je crois que tu ne feras pas 10 jours. Cette personne sortira de la prison. Pendant que cette personne elle-même est en train de prier, il y a une femme ici. Elle est vraiment préoccupée. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Parce que la sentence est tombée. Il est censé passer des années là-bas. Mais écoute-moi bien. Et toi, même si ce n'est pas pour un témoignage en public, il faudra me rendre ton témoignage. Parce que ta prière de ce soir vient d'ouvrir les portes de la prison. Cet homme pour qui tu es en train de prier, je ne sais pas si c'est ton mari, si c'est ton frère. Mais à cause de ta prière ce soir, les portes viennent de s'ouvrir. Il va y avoir un miracle. Je ne connais pas le procédé.
mais il va y avoir un miracle. Acclamons Jésus qui est là.